ou en baisse du vent offshore ce matin sur la canoë. Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. Un dimanche qui commence avec un temps qui est couvert, c'est pas de la neige. J'ai saturé l'image pour qu'on y voit un peu plus. Temps couvert, température extérieure à 2 degrés, température de l'eau à la baisse à 12 degrés, marée à la hausse, le plein haut est à 11h30 avec des coefficients petits de 58. Sur ce début du montant, le vent est offshore, faible à modéré, presque modéré par le nord-est, 1 à de Beaufort, presque de Beaufort établi, le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses. Et on a une houle qui est elle longue avec 11 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest, même qualité qu'hier, un peu multipique en atténuation. Et une fois de plus petite que ce que j'avais prévu. C'est bien tombé ce matin, c'est surprenant. Il y a 50 cm en déferlement régulier, 70 cm au Syrie. C'est ce qu'il y a la plupart du temps. Il peut y avoir par moment un petit 80 cm qui pointe, mais la dominante, c'est 50-70, des petites vagues proches du bord, en pic qui arrive à dérouler. Pas très longtemps, un peu poussif, à surfer en petite planche si vous êtes énervé, avec une planche adaptée pour plus de tranquillité. L'évolution pour le reste de la journée, la bouée Arcachon-Gascogne est stationnaire avec 1m30, 5 secondes. La houle va être stationnaire à la mi-journée, à la baisse cet après-midi avec le vent qui va se renforcer au nord-nord-est, presque soutenu. Les prévisions nous donnent à 13h50, 70 cm, ouest-nord-ouest à ouest, 11 secondes de période, vent de nord-est, 3 à 4 Beaufort, et à 17h, 50 cm, houle ouest-nord-ouest à ouest, 11 secondes de période, vent de nord-nord-est, 3 à 4 Beaufort. Le meilleur créneau, il est ce matin à la fraîche. Le prochain point, il est à 8h25.